Serre de Poitiers pour ses 32e de finale de coupe. RC Lens. Un cri de soulagement. L'équipe poitevine affrontera une Ligue 1 pour les 32e de finale de la Coupe de France. Le RC Lens, un rêve, mais aussi un sacré défi pour les pensionnaires de National 3. C'est une Ligue 1 quand même, donc voilà, on est forcément content, forcément heureux. Et voilà, ça va ramener du monde. Et puis c'est bien pour Poitiers aussi, comme ça va permettre de faire connaître le club. Et puis moi, voilà, une saveur plus particulière, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai joué là-bas, et puis voilà, ça va être très important. Lens, actuellement, ils sont très bien en Ligue 1, donc ça va être un gros match compliqué, et puis on va essayer de faire le maximum, et pourquoi pas faire un deuxième exploit comme Orléans. Les 100 et or, une équipe redoutable, avec des supporters bien connus des stades. Au-delà de Poitiers, ici on compte sur le soutien de toute la Vienne. Ce club de Lens, ça parle, c'est un club mythique et qui a des supporters dans toute la France, donc j'imagine qu'on va avoir du beau monde et surtout du nombre voilà, au stade Michel Amand. Pas de gros lot du côté chauvinois. Les joueurs affronteront Chartres, une équipe de National 2 d'une division supérieure à la leur. Un tirage plutôt favorable pour les hommes de Stéphane Maloyer. C'est déjà historique pour pas mal de joueurs d'être arrivés en 32e. Donc franchement, on a envie d'y aller, on a envie de tout faire pour se qualifier. Et ça nous laisse plus de chance forcément une N2 qu'une Ligue 1. Donc maintenant, on va y croire, hein. On va y croire à fond. Les confrontations se tiendront les 18 et 19 décembre. Quant au lieu, il reste encore à déterminer.